Yora nei tō tātou whararere ai tēnei pūpū. Pare te tini tau whenua, whakare hau. Pui tō whā. Mō mero mai te hea tūnā. Mō papa iwi au. Papa i prorhei, whiaro e pā. Tātou ti tamai tēnei pūpū. Tui rā tira. Yora nei tō tātou whararere ai tēnei pūpū. Ani nei au I te papa I prorhei a... Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 3 mars 2011. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la première séance de la session extraordinaire le lundi 7 mars 2011. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Monsieur le Président Oscar Manoukaïkema. Madame Algoïma, présente. Madame Bob Dupont-Tamara, présente. Monsieur Bissot-Jean-Christophe, présente. Madame Brémond-Madeleine, présente. Madame Brodière-Rosine, présente. Madame Chavez-Daphné, présente. Madame Cross-Valentina, absent. Monsieur Drolet-Jacqui, absent. Monsieur Frosgaston, présent. Madame Fribourg-Jouel, présent. Monsieur Pierre Fribourg, présent. Madame Fuller-Tilda, présent. Madame Galland-Minari, présent. Monsieur Giron-Santoni, présent. Monsieur Anderson-Georges, présent. Madame Hirschon-Nounoutea, présent. Madame Isalé-Fara, absent. Monsieur Cocteil-Benoît, absent. Monsieur Comitini-René, présent. Monsieur Lison-Marcelin, absent. Monsieur Mamatoyo Capo-Victor, présent. Madame Aitre-Maria, présent. Madame Manoufé-Lévi-Agami-Sandra, présent. Madame Mareya-Ema, absent. Monsieur Marais Urateina, présent. Madame Marie Tregamelluto Liliane, présente. Madame Atawa Leoni, présente. Madame Mati Juliana, présente. Madame Mersuron Armel, absente. Monsieur Moutam Thomas, absent. Madame Olivier Maris, présente. Madame Opa Afouanik, présente. Madame Parker Eleanor, absente. Monsieur Péo Touti, absent. Monsieur Paul Etekinoui, présent. Monsieur Rapoto Jean-Marius, absent. Madame Richton Monique, présente. Monsieur Romataroua Fernand, présent. Madame Sage Maïna, présente. Monsieur Salmon James, absent. Monsieur Chil Philippe, présent. Madame Saint-Jou Tarita, présente. Madame Tayata Chantal, absent. Madame Tawatama Juliette, présente. Madame Tama Françoise, présente. Madame Tani Thérèse, présente. Monsieur Tonso Robert, présent. Monsieur Tchung Tururu, présent. Monsieur Tifarede Hiruiti, présent. Monsieur Timaru Oscar, présent. Monsieur Timaru René, présent. Madame Kiroatia Sylviane, absente. Madame Théoura Justine, présente. Monsieur Toa Ismaël, présent. Madame Fichoubia Catherine, présente. Madame Béatrice Vernaudan, absente. Et Monsieur Vernaudan Clarence, présent. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de Madame Cross Valentina, Monsieur Ismaël Toahou, de Monsieur Jacques Hidrolea, Monsieur Pierre Fribourg, de Monsieur Rapoto Jean-Marie, de Madame Juliana Marquis, de Monsieur Salmon James, de Madame Françoise Tama, de Madame Tayata Chantal, de Madame Marise Olivier, de Monsieur Tefari Réutia, de Monsieur Georges Anderson, de Monsieur Vernon Doclarens, de Monsieur Fernand Romataroua, de Monsieur Moutam Touma, Madame Monique Richton, de Madame Vernon Doclarens, de Monsieur Tekinoui Paulier, de Monsieur Cautey Benoît, Madame Joël Fribourg. Maroro, tapa e prorhei, te ariro I a oe a tai o mai, te tapurohe pao te whiruri hea no te imhan. Alors, Monsieur le Président, la conférence des présidents réunie vendredi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, examen du rapport relatif à une proposition de délibération portant retrait de diverses délibérations. Point 3, examen de la correspondance. Point 4, clôture de la séance. Et enfin, point 5, clôture de la séance. Maroro, te anine o te... Tātou, mō mero mā iti hea te nai e mā iti tātou no te tāpura hupau te whiruri hea no te e mhana. Te I whare I tātou ara maruru. Président. Monsieur Philippe Schill. Oui, merci Monsieur le Président. Excusez-moi d'intervenir comme ça, Monsieur le Président du pays, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Oui, je voulais simplement dire que Mme Fuller et moi-même, nous ne participons pas au vote. Donc nous n'approuvons pas, ni ne votons contre l'ordre du jour, parce que nous estimons que le président Tong Song aurait dû prendre en considération la décision souveraine qui a été prise par une très large majorité des 43 élus de l'Assemblée de voter le budget.
Mais en même temps, en prenant aujourd'hui cette délibération qui vise à annuler le budget du président Tang Song, et si jamais, par extraordinaire, le tribunal administratif ne validait pas le budget que nous avons voté le 12 février dernier, la Polynésie risquerait alors de se retrouver sans budget aucun. Donc, Madame Fuller et moi-même, nous ne voulons donc pas ajouter de la confusion à l'extrême confusion, et nous préférons laisser la justice trancher. Voilà ce que je voulais dire par rapport au vote. Merci. Merci, Monsieur Philippe Schill. Et petit après, Madame Fuller et Monsieur Philippe Schill. Tarita toi moi, te anineo ya Madame Tarita Saint-Jou, ya tai o mai de ta pro reporti frurigeno teman. Merci, Monsieur le Président. Alors, le vendredi 11 février 2011, l'Assemblée a rejeté le projet de budget présenté par le Président du pays. En raison de cet acte de rejet, la procédure dérogatoire d'adoption du budget prévue à l'article 156.1 de la loi organique statutaire a été déclenchée. Le Président Tang Song a présenté dans le délai prescrit par l'article 156.1, un nouveau projet de budget. L'Assemblée a adopté cet acte budgétaire conformément à la procédure délibérante de droit commun qui confère aux représentants la plénitude des droits nécessaires à l'adoption d'un texte, amendement, retrait, adjonction, modification, et qui a lieu de s'appliquer dès lors que la loi statutaire n'en dispose pas autrement, c'est-à-dire ne restreint pas ses droits attachés à la qualité de membre d'un conseil élu. Le président du pays a estimé, au terme de la procédure délibérante, que ce budget aurait dû être adopté selon la technique du vote bloqué, et ce alors même que l'article 156.1 ne prévoit aucune restriction de la sorte. En conséquence, il a souhaité engager sa responsabilité politique. Cependant, le président de l'Assemblée a considéré, après que l'Assemblée ait confirmé par un vote cette analyse, que le budget avait été adopté par l'Assemblée. Délibération 2011-5-APF du 9 février 2011, et que dès lors, le président du pays ne pouvait plus engager sa responsabilité politique. Le président de l'Assemblée a d'ailleurs transmis les actes adoptés au président du pays afin que celui-ci procède à la publication et à leur promulgation s'agissant des lois du pays fiscal. En principe, c'est le président du pays qui aurait dû accomplir ces formalités car il se trouve dans une situation de compétences liées. Cependant, le président du pays a délibérément adopté une autre voie, violant ainsi non seulement la loi statutaire, mais aussi la volonté de la majorité des représentants à l'Assemblée. En effet, alors que le président du pays aurait pu contester par les voies de droit usuelles l'acte du président de l'Assemblée, il s'est, en violation du principe de la séparation des pouvoirs, qui est proclamé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, arroger le droit d'apprécier seule la légalité des actes de l'Assemblée et a estimé que les délibérations budgétaires adoptées par celle-ci ne sont pas conformes à l'idée de la légalité qu'il entend imposer. Le président a par ailleurs gravement méconnu le principe constitutionnel du libre administration des collectivités territoriales qui confère ce droit au conseil élu et non à l'exécutif. Une seconde fois, il s'est érigé en censeur de la légalité et a prétendu qu'étant donné que l'Assemblée n'avait pas adopté son budget, il pouvait engager sa responsabilité politique. Une première fois le samedi 19 février, puis une seconde fois
le mardi 22 février. Puis, au terme d'un délai de 5 jours, le président du pays a estimé que son projet de budget s'était transformé en budget de la Polynésie française. Alors, compte tenu des violations flagrantes et répétées de la loi statutaire et des droits des élus commises par le président du pays, l'Assemblée considère qu'il convient de rappeler à cette autorité qu'aucun texte ni aucun principe ne lui confère le droit de contrôler la légalité des actes de l'Assemblée et de les censurer, qu'il ne dispose pas non plus du pouvoir de substituer ses propres projets de texte à ceux adoptés par l'Assemblée. Le président du pays dispose seulement du droit de contester les actes de l'Assemblée devant les juridictions. Alors, en conséquence, afin d'éradiquer au plus vite de l'ordonnancement juridique les prétendus actes budgétaires adoptés par le seul président du pays, notamment parce que ceux-ci sont probablement entachés d'inexistence, l'Assemblée entend les retirer. L'Assemblée rappelle que cette sortie de vigueur d'actes entachés d'illégalité constitue une obligation en vertu des principes généraux du droit. Le CEAS le 3 février 1989, qui est la compagnie Alitalia. Par ailleurs, étant donné que les délais du retrait ne sont pas écoulés, il est préférable de retirer ces prétendus actes plutôt que de les abroger, et ce, afin qu'ils ne puissent produire aucun effet de droit. Au regard de ces éléments, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom des commissions des finances, d'adopter la proposition de délibération 6 juin. Voilà, Monsieur le Président. Maruru, ahuru miniti horo hiara na te UPLD, ahuru miniti to tato aia, ahuru miniti tahuera huirantira, ahuru miniti yaurat henua, manat maumutu ahuru miniti, e ahuru miniti na maumero aita tarato e pupu. Il faut bien que quelqu'un se lance à l'eau. Monsieur le Président du gouvernement, Monsieur le Ministre, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants, chers amis, vous qui êtes sur le banc du public ou qui nous suivez, au nom du groupe Yorat-Fenois, vous adressez nos meilleures salutations. Nous sommes, Monsieur le Président, co-signataires de cet exposé des motifs qui vient d'être lu, et nous allons passer juste après au vote de la délibération. Je crois qu'on n'est plus dans une situation à, je dirais, paraphraser nos anciennes déclarations au regard d'une situation devenue un peu complexe concernant le vote du budget. D'un côté, l'Assemblée qui a exercé ses pouvoirs d'organe législatif pour discuter, amender, mais surtout voter très fortement la délibération budgétaire, avec son lot de lois de pays qui doit être exécuté pour conforter donc la réalisation des recettes et aussi des dépenses du pays.
Je ne souhaite pas intervenir ce matin pour poursuivre cette querelle de chapelle entre qui a raison de l'Assemblée ou du président du gouvernement. Je dirais simplement que notre lecture du droit et de notre loi statutaire nous permettent de penser véritablement que c'est l'Assemblée de la Polynésie française qui arrête le budget du pays. Alors, je voudrais en profiter pour interroger le président du gouvernement qui nous fait le plaisir d'être présent à cette occasion et lui demander, puisque nous sommes dans le dernier jour où le pouvoir lui est donné de publier le budget voté par notre Assemblée, de même que les lois de pays, lui demander de savoir quelles sont ses intentions. Est-ce que son intention est de laisser passer le cap de cette journée et laisser le haut commissaire intervenir à sa place, auquel cas ce sera encore une fois, j'irai reconnaître que nos institutions fonctionne mal, non pas à cause des textes, mais à cause des hommes. Voilà, je vais simplement cette question à lui poser, et bien sûr j'attendrai la fin des interventions des uns et des autres pour entendre sa réponse. Merci. Parulu. Ati mano ahutu. Pritini. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée Polynésie française, j'aurais aimé d'abord entendre les interventions de chaque groupe avant d'intervenir. Et je ne savais pas qu'on allait passer à la séance questions-réponses, mais je ne suis pas là pour fuir le débat. Si je suis là à présent, malgré quand bien même cette séance, c'est une séance qui a été convoquée par votre propre assemblée, et j'ai tenu à y être, parce que c'est le propre des institutions de notre pays, et pour répondre aux questions que vous serez bien amené à me poser, mais à la réponse de notre représentant, M. Bissou, je disais, je l'ai déjà dit d'ailleurs lors de la dernière séance, je ferai ce que la loi me dira de faire. Et d'ailleurs, le texte est clair, et c'est vrai que le haut commissaire peut me mettre en demeure, comme vous le dites, hein, à publier. Bon, si le haut commissaire m'envoie cette injonction demain matin, c'est ce soir que termine le délai de 15 jours. Hein, prévu par le texte, pour que les textes puissent être publiés. Alors, dans le cadre du point qui est à l'ordre du jour de votre Assemblée aujourd'hui, en fait, vous décidez de rapporter un texte, une délibération que l'Assemblée elle-même a entamé un recours. La semaine dernière, l'Assemblée a entamé un recours contre le budget qui a été publié au journal officiel, que je rappelle ici, a été voté dans le cadre de l'article 156A. Voilà. Donc, vous déposez un recours, vous prenez une délibération rapportant l'objet même de votre recours. Il y a quelque chose qui est un peu bizarre, quoi. Voilà. Alors que, normalement, on doit attendre la décision du tribunal, si vraiment votre recours est fondé et justifié, comme vous l'expliquez dans l'exposé des motifs. Hein. À ce moment-là, c'est simple d'attendre la décision du tribunal pour faire droit à votre recours. Mais je n'irai pas plus loin parce que, on va encore m'accuser de vouloir faire la loi à la place de la loi ou de faire le juge à la place du juge.
Moi, j'estime que le budget, ça peut être le vôtre. Ça peut être le vôtre. Le budget qui a été voté dans le cadre de l'article 156.1. Sorti de ce cadre, il aurait fallu effectivement ne pas rejeter le budget le 11 février et l'amender comme vous voulez. À ce moment-là, c'est le budget de l'Assemblée. On reste dans le droit commun et les compétences et les pouvoirs de propre de l'Assemblée. Malheureusement, vous le reconnaissez d'ailleurs dans l'exposé des motifs, en rejetant le budget, vous avez déclenché par vous-même l'article 156.1. Et le budget ne peut pas être voté autrement que dans le cadre de cet article 156.1. Voilà, donc l'Assemblée est souveraine, et je rejoins les propos de notre représentant Philippe Schill, effectivement. En votant cette délibération que vous allez examiner, le pays risque de ne pas avoir du tout de budget. Tout simplement, les risques, il faut mesurer les risques qu'on doit prendre en prenant telle ou telle position. Voilà ce que je voulais répondre donc à l'intervention de notre représentant. Merci, Monsieur le Président. Maruru, Monsieur Hirote Farede. Maruru Briteni. Parimi kita po otervo. Briteni o te apurarhei, te tofa, Briteni o te whenua, tatou pa atoa, te nātou te hei o te aruhoi, te aruhoi arhei. Ia paroro tātou te mono o te Briteni o te whenua, me tiamata rā mei te tumu proteme e te emhana, ia apotohio. Noa tu e ua hapea ua itara ua ihapea. Tera. Ia mara tōna e tatara i tera mō mono o tāna e tūmei. O parou oi e tau i rau ane ke te parou fufaro nā rtui te reo frani. Je ferai ce que la loi me dit de faire. Mi te pū e te o tātou te pēwe, tāna hoa i parou. Ia te o tātou, ta tātou papature o te whenua. Tēnā ora te irawa hanere o horu mā piti no te ture whenua piti tau te nīmha hanere iwa horu mā piti no te piti a horu mā hitu. No whepuare ma teiti piti tau te nīmha, te e parau, tātratu o nā rtoi te reo whrani. Toutes les matières qui sont de la compétence de la Polynésie française relèvent de l'Assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi organique au Conseil des ministres ou au président de la Polynésie française. Et un peu plus loin, l'Assemblée vote le budget et les comptes de la Polynésie. L'article 65 de notre loi rappelle que le président de la Polynésie française, Elena Upapaikiraparo, assure la publication au journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Polynésie française. O ia hau, te muti ato o te maiti i he e whari. Nō te mau mono ato o te tatara hua hua hi e unai. E te ia mahana ti roto tato i te vivi, nō te mea. Te parau tā hui ngāro e parau, pretini, e parau tera. Tato wana pa i te whenua. E te pretini o te whenua, te amot ora o ia te tiara o te mana e weira ruto ho e apora e te ture. Nā rtoi te reo frani, le pouvoir exécutif, aujourd'hui, se substitue au pouvoir législatif par les actes qu'il a commis, qu'il a pris. Te où il a?
C'est un faux en écriture publique. Elle est nagra. Te uga ye hari roani tatu yo. Cela te fifirei. No te me atia me yanan hai. Hoe omar hai no te fenua nai. Iroto I tera mo fauer amana hamara ara tute tem pia iroto I te vea a te hau e te pretene o te fenua. Tatato I ore fari. Unero te taporanei. E horo te e ono. Te e fatu te e te. Chobu a tato. Chobu e chobu. Te vivi. Tomuri mai. Te tatapai ananei. E fatere mei te whenua. Nana ia e whaituito. I te tuma, I te tamate e mo ohupa o te rewehia. Tena. Te vivi, tau e te nei, no tatou. Ia no tatou, te moutia o te aporar hei, no te whenua e no te nuna. Te rato o mon o, te te aturine au e, ini e te rahuru aratai a mon o, e papu tatou, e pari tatou, te whaotira ho e mai tira papu, ini e te tumupra. No te mea, I roto I a ai, porikita o tatatou aporar hei, e te whenua a teira whanhora mi te e turu I tupu I une. Papui au e mi tupu e ui tātou te mana o tō tātou tō whā, ona te matahi apu. E nenhe o iehā papu me o iamu a teira. O tupu ana te mau arepurepura āpuri ki tā hururau I whenua nei. E iara mi te e turu ini e te e prau o te tapura fofa o te whenua. Te rā te whiwi. Te rā te whiwi. Pretene o te whenua. Te rā te mea o ta aua I tenei. Ai te hawara. Paraparaura. Marora paro. Whatiti eifrora ai te mo mono ato o in ei te tumuparo. Te rā pretene. Te mo mono o matamua. Ta auhin aro e tuatu I moi tatu. Whawhirure ai tatu. Marurua te rawherai. Maruru. Maruru. Merci, Monsieur le Président
de notre honorable assemblée, Yorana, monsieur le président du gouvernement, Yorana, monsieur le ministre, sans oublier bien sûr mes chers collègues de l'assemblée. Également un bonjour aux amis de la presse ainsi que tous ceux et celles qui sont avec nous dans cette salle, sans oublier bien entendu les internautes. L'enfermement des positions des uns et des autres se poursuit par un texte dont personne n'est vraiment sûr de sa pertinence. Une question se pose à moi, pourquoi, mesdames et messieurs de l'opposition, ne pas avoir attendu les divers avis des juridictions pour agir en fonction? Ou pourquoi ne pas se contenter d'un recours pour annuler les actes publiés par le président du pays? Car finalement, à y regarder de plus près, on peut également se poser un certain nombre de questions et soulever un certain nombre d'observations. Tout d'abord, on notera que le rapport présenté s'insurge contre le fait que le président se place en juge de la légalité. Soit, mais dans la mesure où le même rapport estime que les actes du président sont entachés de violations flagrantes et répétées de la loi statutaire et des droits des élus, ne peut-on pas considérer que vous attribuez le rôle, que vous vous attribuez le rôle dont vous dénonciez l'usage de la part du président? Comment pouvez-vous affirmer avec une telle véhémence au point de vouloir, je cite, éradiquer au plus vite ces textes, que vous êtes dans votre bon droit, que vous avez la bonne interprétation de notre loi statutaire? Tant qu'une juridiction ne s'est pas prononcée par un avis ou un jugement sur l'interprétation de l'article 156.1 du statut, nous sommes tous au même niveau dans la recherche de la vérité. Car il me semble bien que si vous abrogez le budget et les lois du pays qui l'accompagnent, vous priverez vos deux recours de leur intérêt. Plus de budget, plus besoin de recours. Et combien même si au final une juridiction se prononce en faveur de notre interprétation du statut, vous aurez privé le pays d'un budget qu'il faudra revoter. Bref, sortant un peu des débats juridiques, une question me taraude. Il y a quelques jours, sur le plateau d'une des chaînes locales, un élu a déclaré tout d'abord que le budget voté le 18 février par vos soins n'avait pas été amendé. Il a ensuite déclaré, je cite, « Nous avons voté un bon budget ». Sachant que ce bon budget voté sans amendement est finalement la seconde version du budget présentée par le gouvernement du président Thong Son, donc je serais tenté de dire « Pourquoi tout ce big bang s'il s'agit d'un bon budget ?» Il ne restait plus qu'à le voter sans polémique le 18 février et poursuivre ainsi le travail des institutions. Encore une fois, s'il s'agit d'un bon budget. Mais il est vrai que ceci aurait définitivement privé peut-être certains élus des possibilités de servir leur passion personnelle et de mettre sur pied leurs fibres émotionnelles. Vous en doutez, nous voterons contre ce texte et nous nous contenterons d'attendre patiemment que tous ceux qui appellent à l'union au-delà de querelles de personnes passent à l'acte et se mettent en accord avec eux-mêmes lors de la réunion de demain sur le pacte de stabilité. Maruru Peritini. Maruru. Madame Tarita Saint-Jou. Merci, Monsieur le Président. Lorsque j'entends les interventions de Monsieur Robert Tanso, je ne suis pas d'accord sur certaines choses. D'abord, il dit qu'il n'y a pas de budget du pays. Mais il me semble que l'Assemblée de la Polynésie française a adopté un budget. Mais le problème, c'est que le président du pays n'a pas publié le budget voté par l'Assemblée. Il y a en plus, il faut attendre la réponse au niveau juridique. Mais pourquoi est-ce que la question que je me pose, pourquoi le président du pays a publié son budget, pourquoi n'a-t-il pas attendu la réponse justement au niveau du Conseil d'État, au lieu de publier son budget? En fait, ce sont tous ces questionnements, Monsieur le Président. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette proposition de délibération qui demande tout simplement le retrait des diverses délibérations. Voilà ce que j'ai à dire, Monsieur le Président. Alors, considérons que le président du pays s'est érigé en juge de la légalité et a refusé de publier les délibérations budgétaires adoptées par la majorité des représentants,
considérant que le président du pays a substitué aux actes de l'Assemblée de prétendues délibérations budgétaires et les a publiées au journal officiel, considérant que ces prétendues délibérations budgétaires sont entachées de vices d'une particulière gravité et que dès lors elles doivent être retirées de l'ordre juridique, alors l'article 1er sont rapportées les délibérations suivantes. Délibération APF du 28 février 2011 approuvant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2011. Délibération APF du 1er mars 2011 approuvant les budgets des comptes spéciaux pour l'exercice 2011. Délibération APF du 1er mars 2011 approuvant le budget du fonds pour l'amortissement du déficit social FADES pour l'exercice 2011, délibération APF du 1er mars 2011 portant création d'un compte d'affectation spéciale, fonds pour l'amortissement du déficit social. Voilà l'article 1er. Oui, Tofa. Jamais. La démocratie ne peut pas s'appliquer dans ce pays, président. La démocratie ne peut pas s'appliquer dans un pays dont les lois ont été décidées ailleurs. Et puis il y a tout pour l'été, man. Mais Fifi, non, non, non. Et dis-le, papi, il y a un pays qui a été prétendu. Et il y a tout pour l'été, tout à tout, fin de l'été, man. Anina. A tout à ta papa, n'a tout. Et ha, t'es tout. Et il y a tout pour l'été. Mais n'a fait tout pour l'été. E hat mo rab ano te tata i ana ya ona itupu aho. Ya hoi hoa, te mana rutu i te nuna. Ya tupu hoa te arata i ramana hune rutu i te i whenua to tatu. E ha, te mo rab e o tatatu ni nefa ohi. Hare noa tua tatu e tua tapo pai timme e timme i rewa mea. On s'assoit sur la démocratie. Il n'y a pas de démocratie dans ce pays. Et il ne peut pas y avoir, la démocratie ne peut pas s'exercer. Non? Que les lois seront pensées et votées hors de ce pays. Mon père, Britain, Maruru.
Te mai kira tatu. Gira wa hoe. Te whare. Aru matu. Te patoi. E iwa. E mamu noa. Article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Madame Manutai Sandra Agami, explication de vote. Maruru Pretetini, Pretetini, Temo, Te. Fatereho Siteme, Tato Patoa, Yorana. In Arovo Fate tu Mon Onaniaite, Maitir Ano Temeawa, Far Ivo Teye, Tapura Ohipairo Tete, Tomite Rotu, Tu Iroto Tuhi Ora, Te Fifirhei, O Te Peote Motute, Iroto Teye. Tapura fof ao te pretetini Gaston Thompson. No te mea, wafar ivo te ie, tapura ohupa no te faa hareira pae te ie mo ture api, ini ai te tua, te ie mo tute, ini ai te tua o te huir atira, ini ai te tua o te mo taiete, e aitavo enene far I te ie mo ohupa mitra. Je voudrais juste expliquer mon vote. Je suis membre de la commission des finances et si j'ai acquiescé à la proposition qui a été faite par la majorité des représentants de porter retrait de ces textes qui ont été passés selon la procédure indiquée par le président de la Polynésie française, c'est bien pour stopper l'application de ces réformes fiscales qui, dès le lendemain de leur publication, ont commencé à peser et sur nos administrés, et sur nos entreprises, et également sur les ayants droit en matière de donations entre vifs. Donc c'est dans ce cadre que je suis intervenue, loin de moi l'envie de donner raison ni aux uns ni aux autres, mais pour répondre au président de la Polynésie française, Monsieur le Président, pourquoi ne pas avoir attendu ni l'avis, ni éventuellement d'éventuels contentieux, donc d'éventuelles réponses des juridictions administratives? C'est bien par rapport à la promptitude que vous avez eue de vouloir appliquer rapidement ces taxations et imposer cela tant au niveau des importateurs et au final au niveau des consommateurs. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis intervenue et c'est dans ce cadre-là que je vote aujourd'hui ce texte et je fais partie de ceux qui ne veulent pas rentrer dans des querelles ni de clochers ni de personnes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Maruru, jani roi to tatou papai prorhei a teio mai mo tapurohi panuana nei. Monsieur le Président, donc, tous les représentants dans leur dossier le révèlent la correspondance reçue le 24 février 2011 et arrêtée le 3 mars 2011. Ah, o te tatou I pahu pea, te rura tatou I te pepe, maruru I te tapapara amai e Otoni Gerostane. Yorana pretiteni, tanoa tuit pretiteni, fatri tu tatu finua, fatri haut pono pretiteni, mota et motuhine. Ai tete ye mat ahin arora e faroa roa, in ite ye tumu prau tatu I tua tapapa atu. Mautira ra, mahana tatu I fauti e tupu te ye rurur a, e rawe tatu I te ye fauti a tatu I rawe te ye pupoi, in et faito per hei tatatou I numera mai. O fauti tua tatou e papai tatou I tsuerata I te tomitera teitei. No te whahepor ai ana I te teimotareni o te ture.
To te mea ia prou tātou i prou no te ture, tomi te ra teitei nā muaro. I te peo i te matara i ana, hare tuai i muai te awa. Te uira ta ue ui nei, te weira anei tra rata, e mi te peo te weira tra rata, mi te peo whare imai o e Briteni, aro e te iu mai o e tra rata i muai tō mātou aro. Ia papu mai te i tātou, e hā te ani rā tā tātou e whātai atu, hurtu i te rima o te tomitera teitei. Te piti o te manawa Briteni, in e te ieru anō te iepepau, te ui nei eu tō tātou Briteni. Te perhei, hurtu i te apurarhei te iemhana, te ie tāu e i te atu. Nō nō anei oe, no te aratai whahaur ai tā tātou tāpura ahupa, ini tjohoa tāu e i te te iepepau. Hei te tātou e paruparu ture nei, hei te toa tātou e hamoni nei tō tātou whiruri rā mai tō te eiwana a. Ti o oe tō e matei te eit ai whauti rau te rauhi i te ipipai. Mha auru mātoru, perhei o te imhana. Te ore e tuati, whauti rā tāu i rauhi. E iwa, e tuati rā, whauti rā tāu i rauhi, e piti o te iwai o tuenu. Tra tohoa i te imhana. Te ura me pāpū mai te imu e te aro te nuna a. Hei te oe nene e aratai, a hoa no ae, ohipa. Pratu i tō tātou whenua. Ma te ani rai whauti aratu i tāpura arhei. Mi ti au tā oe mana o nei. Oriro whauti a tā mātou i rau i te pipa, i tāpā mua i aue no whaiter ae. Wōti. Hei tātou e rāwea. Tēnei te praunei oe a whātahuri. Ei. Ko ea tāu. Ko ea tātou pauro. Ko rohea mai tō tāu ātoa toa. Hei te pai tō tātou tānera. Hato pai tūrū rā tomite huipa. Ko prau i aue. Wa tupu tara whiwhi in ia iau. Ma te iti piti tau tini e hitu. Hei ti mātou onono. Hei ta. Tara hoa te me hōpe trūrua wohoi. Hei te fofa. Ia unai hoi iau e te hitu hitu noa tura o. Te iti noa tura to oe pae turura iau e hare noa tura to oe hitu hitu i te huanara. Orira aite i man awa e te taprepre ra tferuri rāno te mea mi te peu e tata nenhe prahia e me pāri mai te iru te tferuri rā o rawe o e tāo e whauti rā pretite traia pretite no tapura rei rāna piti man awa nor tō mai te tapura amui arora e wawo mui a tato maruru. Aroro mai tei, o ia mau tewe nei tei e tei e rata. E kai mana anto te Briteni o teo whenua, kahono i te iuira. Aia, te atau mana, Briteni. E, te rano ma mana i te iau pe aro. Ma mana i te iau pe aro. E, vātu o te iti. E, Nua tu te iti, awa nā tu roi te papai. Te rata o tau i tei muai tōna mo animi. Awa wa ati e te mo animi. Aite wipi. Aite wipi. Nori a, aite tātou i te, ea te opa ea rau tātou ohipa. Aite, te ramanga o iti tau mana o karawai tātou ohipa. Ai te ahuhi ai tō e te ara, tō te aporārai. Kore, tēnā ora ti te mōreo tihi at mana, tera whātere ra manhune i tā tātou. Nā wai o whati i te ria mana. Tātou i ngai ho auti.
Abramoin. Nawe oboti timeltan. Ajaba odo. Prabu bui PLD tak ia faturar. Aitu odo oboti datin no. Japanen hebro di tepa. Nawe bena bro awarotu. Mewen ai pro awarotu. Bourut iter ae otanoa ne aru hapeta upara. Yet Buddha dato mai dira dato itiva to itana outira. Tatenda. Tiria no to umano de brigitini. Te va rai. Otomeatumana torto ito torim. Yau paitera pora uraim haoru mamha. Te maiti. Huti. Achata. Te fatura raoi otto. Noreo e prodo e harene o in tarture pro mai. Diria no, brigitini e var hai man o ti ma i tia. Paharen ai tata to mo oi pe mua. Ti atua maruru. Madam tahu atama o ini. Brigitini yonane maruru. Yorana amuitatu farire ai te ipipi. E hanu mai ni e te iemen a hope o tongsong. Not meha tato e hamu e oi te tane parine te parine o nei taha oera. Tiani ne o ian. Promo, wanoa pe au hei ana tito ki nye vau. Te e mhana. Aita tramo ta ata I ma I te hia I te hui ana e a te tungu. No tone ia maua. Maua I te whaatere I te whenua. Mana on e wau, hani te rira ma teiti. Wa ite o nei whaatari to tato whenua. Aita Jean-Christophe e wharu e iana. O teina ti whaia mei te eipi oho iana e te emhana. Wa wharu e to teina iana. Wa wharu e Philippe Chiliana. No teha. No tana whaatari rai titano. No rira. Ia oe whaahapa noi taho e rahu I ratira. No to e maua. Oi faru hi ai te imhana te reno te iman o preteni maruru. Maruru, mana hoi au e whao ki tatu. Hui tō wha. Maruru e preteni. E, aroi honi tatu I te mana o te preteni o te hawhenu o. Te praura apai e Promo I hoa tere pro hiara e tō tātou te uvito. E ai te hoa te whaotir a, ai te hoa te whaatere a mana hune e irutui te ie apura arhei. Ere rano o tō tera prau, ere o tō tera I PLD, te teirara. Ai, pretetene. Haini pa I te weira tara e piti me o kokone roa rato I to o piripau. E parau oe o mea, taho e rahu I rātira, e parau roa oe. O deo ai te parau. Pai te wai, parau pai. E hapapu pai. Nau ai tawiri I te taho e rahu I rātira. Tamata rā wai te hupa. Owai o tō, owai tarei harama I tō utu a wharera. Tara tamar a tātou I tara pōtā patīra. O tō hoi o teina ma. E te paraura a e. Whatauri tātou I a Oscar te maru. Whatauri. Iara e tū I a oe. Ia e tū I a Gaston Flood. Ia e tū I a Eduard Fritsch. E tū I a Poto. Mahamuno ato atura oe. Ai tu rotu oi parau noa e no te mamu ngoi te rira te imera ti piho Eduard Iau ani tu ro ia Eduard ani Eduard whai te ma oi tara poto e parau ki ara ti u nei ono na o mare e o aro o tong song hoi ta e no te apai ona ai te whai te re o ona tere hina aro re hare ai tō e e parau e pai pai e horo la ture taponi rimatara ai Oia, ia pai e paruhi e nāna tramu oi.
na oi har mai hapi a matoi te ima. E ko ara. Tanoi hua tarai parapura hiara e toni se ros. Ede? Wo tito e parau. Ie, ie maro ahau. Ai te hoi e parhei e turu ahura ia oi. Te ha fifi noar oe, te whaterer au tō tāpeu whenua. E te tita pou ngātura tō tātou whenua, i roto i te tō tātou nuna, i roto i te veve toto. I roto ngoia onei tara opere ai te maa, te harera e taparu i te maa, mātai te iwa ahu tātou i na pōre roto i te awhata teata. A te huitea a mai, a teire oipa, i rito i tō tātou whenua, i raro aita oe whaatere a, e hare taparu i te maa, i a tā maa te, te huir atira. Meha a maa te hoi whaatere a, e mei te rātulu. E nā oe, i te whaatero ai tō tātou nun a, i reira. E i mana wau. E aheni e te veira tara mea ta e parotura i nau neira, e whahoi oi tō e te ara. Tara rā, ua moero, ai te waha, maru. Pretitini, taupino. Pretitini, e tu e mana ai pahono o ahau. O tērai ni di tei whaito i te tano nā tō e tata. Rūru o o mitera, whaheiti tō e mapurau te maha. O e no tau pahono rā. Tā o e tāu, te atu e rtupu tāu. Ona te i teit parauma, maru. Oui, suite à l'intervention de monsieur Anthony Géros, effectivement, il y a un courrier qui va partir chez le haut commissaire et j'ai donc l'intention de lire ce courrier pour que vous en preniez connaissance. C'est un courrier de ma part à Monsieur le Haut-Commissaire. L'Assemblée de la Polynésie française a adopté entre le vendredi 18 février et le lundi 21 février 2011 le budget primitif du pays et les lois du pays fiscal qui l'accompagnent. Ces actes vous ont été transmis par mes soins afin qu'ils acquièrent un caractère exécutoire. Toutefois, tous ces actes, pourtant fondamentaux et tant attendus par les acteurs économiques du pays, n'ont toujours pas été publiés et promulgués au journal officiel. Le délai prévu à l'article 167 de la loi statutaire étant expiré désormais, il vous appartient de vous substituer au président de la Polynésie française qui est défaillant en la matière. Afin de clarifier la situation juridique, résultant du fait que le président de la Polynésie a postérieurement à l'adoption des actes budgétaires par l'Assemblée estimé que le délai de 5 jours prévu à l'article 156.1 de la loi statutaire lui permettait de réputer adopter son budget et ses lois du pays fiscal et d'ignorer le budget et les lois du pays adoptées par l'Assemblée. L'Assemblée a décidé de rapporter tous les actes réputés adoptés par le président du pays. C'est ainsi qu'elle a adopté ce jour, à une large majorité de 44, la proposition de délibération portant retrait des diverses délibérations qui ont été publiées au JOPF numéro 8 NS et numéro 9 NS des 28 1er mars 2011. Quant à la proposition de loi du pays portant retrait de diverses lois du pays fiscal, qui sera examinée par l'Assemblée à l'issue du délai d'information des élus le 15 mars prochain, retenez cette date. Le Haut Conseil de la Polynésie française a, dans son avis, en se fondant sur un arrêt du Conseil d'État, rendu à propos d'une loi du pays qu'un ancien président de l'Assemblée avait refusé de considérer comme un tel acte et avait voulu ignorer, estimer que l'Assemblée de la Polynésie française avait fait le bon choix en rapportant les actes de l'exécutif et que l'attitude consistant à ignorer
les actes d'une institution pour les réputer inexistants ferait peser de grands risques dans les rapports entre les institutions et qu'en tout état de cause, aucune autorité de la Polynésie ne peut s'ériger en juge de la légalité. Il est clair qu'en ignorant les actes budgétaires adoptés par l'Assemblée, le président de la Polynésie a commis une illégalité et a entaché ses propres actes d'illégalité. En effet, pour réputer que des actes existent, il faut au préalable purger de l'ordre juridique les précédents actes qui ont été adoptés. C'est pourquoi il serait hautement souhaitable, en application des pouvoirs qui sont les vôtres et que vous tenez notamment des articles 166 et 167 de la loi statutaire, que vous contribuiez à rétablir la légalité en demandant aux juridictions compétentes d'annuler et préalablement de suspendre les actes illégaux qui ont été publiés et promulgués au journal officiel et que vous procédiez à la publication et à la promulgation des actes budgétaires adoptés par l'Assemblée. Ainsi, l'ordre juridique ne sera plus troublé. Votre intervention est nécessaire aussi au titre de la sécurité juridique. En effet, l'Assemblée a décidé de rapporter tous les actes budgétaires illégaux. Or, le président de la Polynésie a fait mettre en œuvre immédiatement les crédits dont il croit disposer sur le fondement d'actes qui ont disparu. Une telle attitude est incompréhensible car on sait qu'il faudra nécessairement revenir sur tous ces actes d'application qui portent, pour certains, sur des montants fort importants. La remise en cause de ces situations va occasionner de nombreux préjudices qu'il appartiendra d'indemniser. Certes, au premier chef, c'est la responsabilité de la Polynésie française qui sera recherchée. Mais le pays serait légitimement fondé à prétendre que l'État partage aussi cette responsabilité car son représentant en Polynésie n'a pas exercé ses pouvoirs de contrôle des institutions et de leurs actes. J'espère vivement, Monsieur le Haut-Commissaire, représentant de l'État, qui se rappelle d'une situation préjudiciable pour l'ensemble des Polynésiens, vous conduira à réagir dans le sens des demandes qui ont été exposées ci-dessus. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Haut-Commissaire, l'expression de ma haute considération. Voilà le courrier qu'il va recevoir aujourd'hui même. Vai dir apa ya nei te veri ho tra per her tu te apura rai ai te pa ne mar 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 ai te ri rova no te be ai te to we ta a ho te e ture tatato e a te tu mo e ai te ona i prai te prete tini o te hau whenua e i te tāo e nen he e pia i tāo e tā pura fufa no te me tira pa o i te ture. Iau pa i trafa anhor a charge de la legalité. Mi te mea nana e whahepo e ia wha. A parau tu e i te pretetene, tāo e tā pura fufa a tāo e pia. E pauro tramo fa anhor a roto i tāo e te ofatir o i te ture. No te hauna ai tīpara. Tōna ia te ara, garon de la legalite. Govishono, ona ierava hietu mo ohipa pio, e te pretetine o te hau whenua. Marira te hina aroro mātou, e turu i tera aratai tāo, e tāri māt o mātou. Mātou pōuro te tāri o. Bite me e whāri i mai o. Nā muri no atu pai mātou.
Udiwa tarimaya te rata e wini ne te maati e atatu hera. Tamo hamanoi tatatu rurai jahuru mapanu maati. Maruru, uitofua.